Salut les Valjean, ici Valmar le Faucheur pour vous servir avec Feywell l'Archer, Aether le Prêtre et Kadria la Magicienne de retour sur Final Bravel. Ce jeu j'en suis totalement fan. Windham, je te le dis tout de suite, tu viens de gagner ton tout premier fan. Hein. Ah là je ne peux que faire qu'une chose, penser au jeu, vivre pour le jeu. Dès que je rentre j'ai juste envie d'une chose, c'est vraiment d'y jouer à fond. J'y pense toute la journée, même durant la nuit. Je pense à des concepts. Tiens d'ailleurs pour le faucheur corrompu là qu'on avait parlé dans la dernière vidéo. Peut-être que certains n'ont pas compris quand je parlais de boss normal et de boss secret. Alors boss normal et boss secret, ce serait où en fait, imaginons, il y a plusieurs jeux que Windham fait, imaginons, hein. Et dans tous ces jeux, chaque fois, le faucheur corrompu est toujours apparu d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire soit en boss secret, où là il faut faire une quête et faire plusieurs trucs pour le débloquer, donc le combattre, soit c'est le grand méchant qu'il utilise en ultime recours pour te retenir, alors qu'il le contrôle mentalement, mais quand les joueurs l'ont vaincu, il reprend le contrôle de ses esprits. Donc voilà, dans des jeux différents, ou alors si il est en boss normal et en boss secret dans le même jeu, il faudrait d'abord qu'on le rencontre en boss normal, et qu'à la fin du jeu, on nous explique qu'il faut qu'on termine encore une chose avant d'avoir la vraie fin du jeu, où en ce moment-là, c'est toute la quête pour affronter le faucheur corrompu dans sa version boss secret, c'est-à-dire avec la fin secrète, la véritable fin, tout ça, etc. Aussi, autre chose qui pourrait être intéressant, c'est de donner plus de personnages qui sont dans la même histoire que le faucheur corrompu. Alors, le faucheur corrompu est complètement fou et malade, enfin, vous voyez, il est corrompu, donc il ne se contrôle plus, même s'il a encore une partie de sa conscience qui lui permet des fois de reprendre le contrôle. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il fasse partie de tout un groupe, vous voyez. Alors, il ne participe pas vraiment aux activités du groupe, puisque, comme je vous ai dit, la corruption le rendrait totalement fou, et donc il ne pourrait pas être très actif, mais il servirait involontairement la cause de ce groupe. Ce groupe qui pense comme lui, en fait, comme le faucheur corrompu, qui veulent faire la même chose que lui, sauf qu'il ne travaille pas avec lui, puisque, ben, voilà, quoi, hein, si tu essaies de te rapprocher de lui, il essaie de te désinguer, donc voilà. Mais ce groupe, voilà, ils sont d'accord avec le faucheur corrompu et pourraient même lui venir en aide quand il est assommé, que Windham est sur le point de l'achever. Hop là, t'as trois types venant de ce groupe qui sont d'autres personnages des autres jeux que pourrait faire Windham dans le futur. Enfin, vous voyez, un complot, c'est très vite dit ça, mais des personnages de tous les différents jeux que pourrait faire Windham réunis sous un seul groupe et sous la coupe d'une personne, plus précisément, je penserais à une femme, dont on ne sait rien, absolument rien. Tout ce qu'on sait, c'est que selon elle, le faucheur corrompu et d'autres personnes des autres univers possibles que pourrait écrire Windham ont décidé d'affronter des divinités, tout ça, etc. Enfin, qu'il y a une histoire qu'on ne fait pas suivre aux joueurs, une histoire qui est là, mais qui ferait son mystère, qui donnerait des théories, ce genre de choses, pour savoir qui est cette femme, pourquoi tous ces personnages des anciens jeux de Windham, dont certains seraient des héros, comme par exemple le faucheur corrompu, pourquoi est-ce que eux rejoignent ce complot, enfin ce groupe? Pourquoi est-ce qu'ils se battent dans l'ombre contre Windham et contre les autres gardiens des autres univers, hein, puisque Windham c'est un gardien, mais on pourrait imaginer qu'il y a d'autres gardiens qui a carrément toute une véritable sécurité. Enfin voilà quoi, vous voyez, j'essaie d'apporter des idées comme ça. Mais bon voilà, là on va aller à la mine de la succube. Vous allez me demander, mais comment? Tu n'as pas trouvé la dernière fois? Eh bien la dernière fois, je ne savais pas que l'entrée de la succube ne se trouvait non pas à l'extérieur de la ville, mais vraiment à l'intérieur de la ville. Donc on va utiliser le parchemin pour être téléporté. Ah, et on va retourner en fait là où nous sommes apparus pour la toute première fois. Et voilà, c'est bien ça. Il y a ça qui nous permettra à la grotte de la succube. C'est parti. Donc on est de retour ici. On va finir d'explorer. Ah ben voilà. Et vu qu'on a gagné des levels, les monstres seront donc moins compliqués. Direct, tac. Toi. Fais une attaque normale. Toi. Fais une attaque vent sur celui-là. Toi, fais une attaque brasier. Voilà. Notre but donc est d'affronter toutes les bestioles du coin.
Alors, je ne sais pas si j'ai pu prendre la quête ou pas, mais j'ai envie de vous dire, on s'en fout là, on va explorer cette grotte de fond en comble. Ensuite, s'ils ont survécu, deuxième attaque. Toi tu vas attaquer, toi tu vas utiliser un fragment, toi tu vas utiliser un petit brasier. Ouais, ils sont résistants quand même, c'est rare. Parfait. Et on a gagné un rubis, c'est bien. Vous devriez sauvegarder. D'accord. Ah, je crois que ça c'est la succube. Donc on va retourner en arrière. Alors là, si je me souviens bien, là il faut une clé en fait pour... Et ici, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le Gigara! Enfin, c'est le rat géant, mais vous m'avez compris quoi! Ah mais non, attendez, j'aurais dû faire une attaque simple. On va faire un tir mortel. Toi, comme toujours ça. Toi, tu vas utiliser ça. Ouais, chouette. Ok, on a déjà fait perdre plus de la moitié de sa vie. Vous savez quoi, on va tous attaquer comme des tarés. Voilà. Alors. Sale bête. Pour aller là-bas, et alors on va bien voir, on trouvera bien un chemin. Ça, ça devrait aller, on sait plus jamais. On va pas prendre de risque. Ah voilà. Pour aller récupérer les coffres. Vous, vous êtes solide, maintenant je le sais. À soigner les heures. Ah. Non, pas spécial. Ah. C'est vraiment où elle perd de la magie, Kaldria, alors qu'elle n'a pas utilisé de sort d'attaque. Si elle a utilisé Brasier, c'est vrai. Elles ont de la chance, elles ont survécu toutes les trois. Ah,
Allez, chef de groupe. On n'a rien d'autre par ici. Et sauvegarder. Oui, bah t'inquiète, on va sauvegarder. Par contre, je remarque que là, le passage a été déverrouillé. Et bah, allons affronter la succube. Je succombe à la tentation. Non! Car le groupe ne se laissera pas marcher. Subir au coup de poing. Par contre, viens soigner toi. Go, go, go! Fait très mal, en fait super mal. Et en tout cas, la dernière son tour. Donc déjà, ça se fait. Pas très fort, très très fort. J'avoue, elle a énormément de PV. Je l'avoue, elle ferait peur. Bon, on va lui apprendre le respect. Je suis surpuissant pour espérer. Passe. Toi tu vas être soin d'eux sur Noël, puisque là j'en ai vraiment besoin. Je suis sûr que tu seras sa prochaine victime. J'ai bien fait de la soigner. Yes! T'apprendre le respect, ma grande. Ensuite, vu que ça a bien marché, on va autant plus une fois, même trois épreuves. Ensuite, toi, il faut que tu soignes toi. Utiliser ton spécial. Si elle essaie d'envoyer un de nos sorts, enfin qu'elle essaie de nous envoyer un de ses sorts, on va se le bouffer. Second coup. Elle a beaucoup de PV mais je vais la vaincre. Allez hop. Faire pas espoir les gars. C'est vrai, il y a le bouclier. Complètement zappé ce truc.
va baisser tes attaques. Ensuite, maintenant qu'elle a plus le bouclier, là ça va passer. Réduire silence. Oui, je savais, elle allait l'attaquer lui, évidemment. Elle, elle a toujours le bouclier par contre. Merde, alors là, pas de conneries. Soins ténébreux. Il faut que ça passe. Hé hé! C'est ce qui arrive quand on a tous ces trucs de baisser. Bien mal, mais voilà. Okay, bah, allez. Évidemment. Parti. Tenter une attaque foudre. Il restera encore un peu de magie, donc tu vas tenter une attaque de type glace. Ensuite, hater, l'équipe est bien soignée. Ici. Ça. Voilà. On va voir ce que ça donne. Raté. T'aimes la foudre. Eh bah tiens. Elle est fortiche, elle est fortiche, je l'avoue. Bon, réfléchissons. Réfléchissons. Lancer ça. Ouais, ouais. Non, tu peux pas lancer de l'attaque, évidemment. J'ai épuisé toute ta magie. Relancer une attaque. Toi tu vas tenter la méga attaque explosion en espérant que ça la touche. Ça l'a bien touché. Pas sacrifier mon équipe. Telles histoires. On va rebaisser ses attaques, pour être sûr. Continuer à balancer ça.
Bon bah non, c'est une attaque haut. Plus du tout de magie. Kadria est presque morte. J'ai bien fait de baisser son attaque là. Raté. C'est tenté, c'était à tenter. Bien. Alors. Je n'ai pas encore les 15 points nécessaires pour relancer l'attaque là. Assurer de soigner Kadria. Qui a lancé une petite attaque feu. Je ne peux rien faire d'autre pour le moment. Darkness, ça va t'emporter. Ensuite, tu vas baisser son agilité, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. Voilà, et ensuite toi, lancer ici. Alors, de nouveau, je n'ai plus de pouvoir attaquer. Donc, comme ça. Là. Ça va se rendre là, donc, juste sur cette attaque. Mettre ensuite guérison sur cette pauvre Kadria. Et enfin, elle n'y arrive pas, tant mieux. À moi. Tac. Tac. Sans un bel évident. Bon, je vais balancer ça. Même si je sais que ça lui fait pas mal, mais bon, ça lui fera baisser quelques PV. Les FPS qui ont été en chute pendant un instant, en espérant qu'il n'y a pas de décalage son. Alors, laissons un peu de temps au jeu. Ah, celui-ci ne peut pas faire son ténèbre. Justement, c'est non plus. Ah, t'as vu des oeils, t'es malade. Je ne vais pas m'attaquer à mes potes. On fait son agilité. Ça.
m'énerve avec cette attaque. Allez, fesses qui ont vraiment du mal. Mais ils tiendront le coup. Je vous le promets. Tout pour le tout. Tant pis si Valmar meurt. Il aura combattu jusqu'à la fin. Prochain tour, je la soigne. Mais FSK en peut plus, équilibre mort. Arrête. Arrête. J'en peux plus. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Je n'en peux plus. Adieu, mon cruel. Là, là par contre, le son s'est arrêté pendant un instant. Donc là, il y a une forte chance que le son a été décalé. Par avant. Voilà, il est mort. Pas pour longtemps. Attendant, le reste de l'équipe va continuer. Allez. On ramènera la vie. Allez, plus tard. Ou alors on récupère en amont. Allez, ah, FPS qui en peut vraiment plus. Évidemment la conclusion, c'est normalement Raider qui peut s'en occuper. Je vais regretter, tiens. On va utiliser un peu des potions parce que c'est pas qu'on en a un peu beaucoup. Hein. Il irait complètement nager d'ici peu les états. Mais... D'accord, ouais, mais bon, on va garder ça. Soigne le silence. En espérant que ça le tue pas. Hein, Windham. J'espère que lui donner une potion ne va pas le tuer. Tant mieux. Bon, lui ira de toute façon tous ses coups, alors. Je suis pas trop inquiet, j'ai envie de dire. Évidemment, j'avais oublié ça. On va encore attendre un petit peu avant de lancer la méga attaque à la fin, je pense. Ouais. Aussi, tu vas essayer de faire comme ça. Aïe 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 aïe. Voilà. Aïe aïe qui en peut vraiment plus, faut la sauver. Ah mais c'est vrai, elle a plus d'altération là, se faisant elle est méga protégée. Aïe aïe aïe, j'avais complètement oublié ça. Alors, attendez, affichons bien. Déjà on va attaquer. Toi tu vas dire de se taire. Toi. Tu soignes Firewall. Toi, pour que tu puisses lancer une explosion. On va aller à l'ancienne. J'ai envie de dire que Valmar est pété. Mais bon, vu qu'il est mort tout à l'heure, ça ne fait pas moins de bronze. Écoute, continuons. Je sais que c'est un peu gaspillé la magie là pour le coup, un soin 2 sur aussi peu de dégâts qu'elle a reçu, Kaldria. Mais bon, je fais ce que je veux. Je sauve d'abord la team, ensuite on verra après. Évidemment, elle s'assure. Hey, ouais, je ne peux pas vous aider pendant un tour. Mais qu'est-ce que tu crois? Hein? Tu crois qu'on était des novices dans le genre? Bien non. Ensuite, bien. Si tu la faisais perdre. Guérison va servir à rien.
Où en étions-nous? Ah oui, on était sur le moment où on baissait ta magie à ton... Évidemment, sur celui qui est le plus faible. Bon, on va lui apprendre le respect à cette créature. Pour moi, malheureusement, une simple potion. Mais elle... Voilà, pour être sûr d'au moins de la toucher au moins une fois sur deux. Ensuite, on va continuer avec ça. Dernier coup de vent. Ouh, ça va, que ce truc. C'est que dalle, ça. C'est que dalle. T'as perdu. Allez, Ether, on compte sur toi. Ah bah là. Évidemment. Pas prendre de risque. Ah, ça. Bon. On a pas grand chose à faire là. À s'en tirer. Oula, ce combat, mesdames et messieurs. Oh, d'accord. D'accord, ok. Ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Cette pénible créature infernale. Et le prix d'or, évidemment, on ne peut pas le réveiller. Et voilà. Alors, hein, c'est qui les patrons ici, hein? Non, mais... Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Je crois. Hein. Juste vérifier. Bah non, il n'y a rien ici, évidemment. Sérieusement, vous croyez nous faire peur? Nous venons de vaincre votre maîtresse. Un conseil, fuyez.
gamin. T'as pas réussi à l'empoisonner, non? Allez, arrête. Un deuxième rubis. Et ça, c'est pas me permet d'avoir de la monnaie. Ouais, je veux sortir. Merci beaucoup. Eh bien, c'était la grotte de la succube de fond en comble. Bon, on va se faire un petit plaisir quand même. On va juste aller à l'auberge histoire de se ravitailler, hein, se restaurer. Ensuite, on va aller à la guilde. Les FPS qui ont encore du mal. Tiens d'ailleurs, pour éviter tout problème de son décalé, avant de rentrer dans la guilde, je vais... Allez, attends, en espérant que là, il n'y a plus de problème. En espérant seulement. Liste des... Mort du Gigara. C'est fait. C'est le fantôme, cave des voleurs. C'est fait aussi. Loup, passage de la forteresse. D'accord, donc il y a un loup qu'on doit abattre. On vient pour notre récompense. On vient pour notre deuxième récompense. Et ouais, voilà. J'ai 25 de ces trucs. Alors. Je me souviens, le marchand d'armes est là. Qu'est-ce que je m'en souviens bien quand même. Alors. Alors voyons voir ça. Me la faut, me la faut la buveuse dame, je la veux. La buveuse dame, l'anneau légendaire qui putain s'est pété. Garde plus 300%, oh putain. Le petit coffret, clé du coffre, cristal lumineux, pourrait réactiver un cristal éteint. Récompense de taille, d'accord. Voilà. Ça pourrait l'intéresser, ça, le sceptre des ténèbres. Ensuite, voyons, elle est un arc. Alors, oui, c'est vrai que son agité serait baissé, mais au niveau de la puissance, qu'est-ce que c'est bon. Les bâtons du grand invocateur, évidemment. Sauf que voilà. Donc, en rien acheté, je n'ai pas assez de S. Peut-être qu'hors vidéo, je m'intéresserai à l'alchimie. Alors, ouais, elle, c'est la responsable, donc avec elle, on n'achète pas d'armure. Parce que voilà, hein. Apparemment, il n'y a pas vendeur d'armure par ici. Hein. Alors, si je me souviens bien, pour passer par là, il faut avoir les clés des égouts qu'on trouvera qu'à la forteresse. Allons à la forteresse. Et une fois qu'on sera arrivé là-bas, on sauvegardera et on s'arrêtera. Dès qu'on s'est arrivé au prochain point de sauvegarde qu'on n'avait pas connu, quoi, en fait. Vous êtes marrant. Non, je suis sérieux. Vous êtes très marrant. Lance ça.
Bam. Plein d'or. Espérons qu'à la forteresse, ils proposeront du nouvel équipement. Vous êtes sérieux, mesdemoiselles, voyons. Vous n'avez toujours pas compris depuis le temps. Bon, là par contre, on a évité trop d'écoles. C'est longtemps que tu t'es pas soigné quand même, hein. C'est ultra inventif en tout cas comme jeu, hein. Vous voyez, les attaques sont toutes différentes, chaque personnage a des particularités. Non, non, hein, faut pas croire, parce que vraiment, Windham, il a fait un truc très très équilibré. C'est génial. Aucune attaque ne se ressemble. En tout cas dans le groupe, hein. Il va y avoir à la limite des similitudes, mais sans doute. Leur attaque la plus puissante. On va soigner la pauvre petite. On va leur faire un brasier. Voilà. Je te fais s'il te plaît. Toi aussi. Non mais... Sérieux, je ne suis toujours pas habitué à ce que des fées soient maléfiques. Enfin, soit contre des héros. À la limite, peut-être qu'elles savent déjà à l'avance ce que va devenir Valmar, peut-être dans un potentiel futur. Enfin, je dis ça, mais rappelez-vous, hein, comme j'ai dit, on peut faire juste que le faucheur corrompu soit juste un faucheur parmi tant d'autres, hein, sans véritable identité. Ce qui serait encore mieux, parce que ça rendrait encore plus le côté, c'est un personnage, c'est un héros parmi tant d'autres, du fait que... on doit choisir le nom de notre héros, quoi. Et pourquoi? Alors oui, il y en a certains de mes potes qui voyaient les épisodes avant vous, hein, qui m'ont demandé, et pourquoi forcément un faucheur? Mais mec, pour qu'un personnage soit... quand on a un personnage légendaire, slash héros légendaire, il faut qu'il ait une classe légendaire. C'est QFD. Et qu'est-ce que fait des méduses sur la Terre? Je pense que le feu, elle n'aime pas trop. Ah ouais, à distance quand même, hein. Mais pas assez. Ah, vous n'aimez pas les attaques de type feu, hein. J'espère qu'elle fera non plus les attaques de type feu. Une attaque obscure, ça peut faire ça, une méduse. Pas que les méduses étaient si proches des ténèbres. Et voilà. Alors ça est sidéral. Oulala, oulala. Alors, Windham m'a prévenu. Ce sort aurait un problème de son. On va espérer que le problème de son a été réglé puisqu'il a fait une mise à jour pour cela. Voilà. Mais je vous préviens, j'enlève le casque. Quoi qu'il arrive, j'enlèverai le casque. Déjà, on sauvegarde. Évidemment, il y a un indien. Par contre, il y a un monsieur. Monsieur, que faites-vous là? Je me suis perdu. C'est un attaque à feu.
Oui, bonjour. Bon, bonjour. Que fais-tu ici? As-tu l'autorisation d'être parmi nous ce soir? Aïe, 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 mes oreilles. Par pitié, qu'il n'y a aucun problème. Dès que ça lance l'attaque spirale, je m'enlève le casque. Heureusement que j'ai baissé son attaque. Bon alors attention, il est en dernier. Oulala, c'est quoi ce sort? Ça va. Je crois que le son a été réglé. J'espère en tout cas pour moi. On va descendre, ça descend. Va le soigner mon pote. Oh, il attaque ici. Et si on le lavait? Bon, je suis pas sûr que je verrai quelque chose, mais bon, c'est bon jamais. Mais que fout ce gros machin sur la route? C'est ce que je dirais si j'étais là en ce moment dans le jeu. Alors, qui c'est qu'on va soigner? Bah c'est toi. Ah, merci! Ténèbres 2, parfait. Lien de sang. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que le lien de sang? C'est pas par là qu'on vient? Non, c'est pas par là. Oh, une âme. Enfin, je crois que c'est une âme. C'est bon, il y a de la lave juste à côté. Ouais! Allez hop! Je crois que ça les a pris bien mal, mais je sais pas. J'ai baissé son attaque. Je veux même pas savoir juste où ça pouvait être. Ah bah oui, là on discute. Là oui monsieur. Là oui. Là on parle. Tu vois. Là on discute tous les deux. Là on se comprend. J'aimerais bien utiliser une attaque explosion, mais bon, je préfère faire ça sur des groupes. Et sur les boss aussi. Allez, t'es qui toi? Bah t'es le loup! T'es le loup qu'on doit tuer dans la forêt! Eh bien, monsieur, hein, prenez place, hein. Préparez-vous à la mort qui vous attend. Hein. Alors, une petite attaque de feu! Ah. Aïe aïe aïe, là, ça commence à taper! Oui, ton attaque sera réduite pour la vie. Alors, on continue à faire ça, hein. Tu vas réduire sa défense. Toi, tu connais ton job. C'est une attaque pour... On va le laver un petit peu, ce chien. J'ai bien fait de baisser son attaque. On baisse sa défense. Que monsieur soit plus facile à taper.
bon critique en plus, attention. Monsieur, vous parlez à des professionnels. On va essayer un pierre mortel. Sidéral dans la gueule, en espérant qu'il l'a fait pour tous les sidérales, hein, parce que j'ai vu que ça c'est que sidéral 1. On va savoir ce que c'est les autres sidérales. Méchant chien, méchant toutou, cochet. Compris, j'ai dit cocher le toutou. À la niche. Critique en plus, t'as vu ce que ça fait un critique. Voilà monsieur toutou master. Cocher. Et voilà, qu'est-ce qu'il gardait ? Un truc. Tiens, prends ce sort pour avoir réussi à venir ici, c'est un cadeau des dieux. L'âme assassine. Ah, enfin ce sort spécial dont on avait tant parlé. Un nouveau de sauvegarde. Toute la zone est en ruine. Je sens une grande puissance au loin, c'est peut-être la cause de ce désastre. On va sauvegarder. Sur ce, les valeurs, à plus, portez-vous bien, j'ai le grime, c'est la suite, et ciao ciao. On se retrouve pour un prochain épisode où là on va tout explorer, hein, avant de... On trouvera la forteresse. Dès qu'on sait où est la forteresse, si c'est ça la forteresse, tant mieux pour nous, hein, comme ça on sait où elle est. Mais sinon, dans le cas contraire, on va fouiller tous les lieux, hein, je dis bien tous les lieux, on va fouiller la map de fond en comble. Et voilà quoi, hein. Enfin, vous avez compris l'idée, quoi, en fait, on se fait d'abord toute la map, et après, on se fera la forteresse. Allez, à plus.